majesté, gloire et honneur. Majesté, gloire et honneur. And I bury
no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. And Lord, haste the day when my face shall be sight. The cloud be rolled back as a scroll. The trump shall resound, and my Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. Que vous êtes debout, Luc chapitre 5, Luc chapitre 5. Verset 1er jusqu'au verset 5. Et je lis. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, dont les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Bon Dieu béni parole. Merci, assoyez-vous. C'est le thème que nous avions pour 40 jours de prière, non? Avançons en pleine eau. Et que nous avons continué avec lui pour préconvention, non? C'est aussi thème préconvention, non? Avant que nous changions notre thème, ça, qui dit l'Église, c'est moi, Souel. Ouais, c'est pas tout le monde qui a des lunettes. On va recommencer encore. I need you to do better. Let's go again. What is behind me? Dieu n'est jamais à court de projet ni de prodige. La dernière fois que nous t'ai parlé, dans le dernier jour, 40 jours, ça, que nous t'ai introduit pour même, et nous texte ça avec thème, ça qui dit avançons en plein eau, c'est une invitation à toute l'Église ici, parce que les pas dit avance, mais avançons. C'est à tout le monde maintenant d'avancer en plein eau. Noté, fait pour même il y a décortication de texte là qui noté ouais, il y avait premièrement une connexion
Dieu cherchait une connexion avec Pierre et à la suite de cette connexion, il était suivi en commande. Il était en commande et qui était démontré une sorte de confiance de la part de Pierre. Et puis maintenant, qui était suivi de une confession et après cette confession, il y avait une commission. Je répète les 5 C du texte. Une connexion, une commande, une confiance, une confession et une commission. Dame a entré plus profond dans le texte là, à soir, après-midi, comme l'heure a déjà sans arriver, comme c'est le premier dimanche du mois, comme nous toujours connaissons que les antigens, qu'on a dit Jean Pélon, à cause de toute présentation, ça veut dire que nous avons gagné. Nous avons gagné l'heure devant nous, mais la présentation est sans avec. Ici, j'aurais titré ce message en anglais qui dirait A Deep Life. A Deep Life. Une vie profonde, plus profonde. Ici, c'est Dieu qui nous invite à explorer ce qu'il y a de plus profond en lui. C'est Dieu qui nous invite à chercher la vie profonde que lui offrit à nous. Une vie profonde que nous avons besoin d'expérimenter dans la vie chrétienne, nous. Avançons en pleine eau, nous fait comprendre que Dieu nous invite à avancer en eau profonde. Il m'a dit pour nous avancer plutôt dans l'eau qui est profonde, parce qu'il y a des découvertes à faire. Gen bagay pour nous découvrir dans bon Dieu. Ce n'est pas grande chose de parler du temps ou des verbes, mais c'est une invitation plus précisément à avancer en plein eau ou du moins en eau profonde. C'est le Dieu qui nous invite à explorer ça le gen pi profond en dedans. En pile fois nous incertains avec le bon Dieu qui pas changé. En pile fois nous anxieux avec le bon Dieu qui sérieux. En pile fois nous trop flottants. Nous il fluctue avec le bon Dieu qui stable, qui constant, qui sûr. En pile fois, nous tout noyons comme toupie. Et puis, nous avons bon Dieu dans main, nous, qui campe diam, qui pas ébranlé, qui pas effrayé de rien. Et mais nous, à cause de manque de profondeur, à cause de nos manques de nos profondeurs, nous bon Dieu ça. Nous vîmes flottants, nous vîmes insérieux, nous vîmes paraître pour incertains. Nous ne pas connaître en pile fois ça nous voulait. Je lisais ce livre de Alfred Kuhn qui dit nous, la profondeur, c'est ce qui est opposé au superficiel. Ce qui n'est pas profond est superficiel. Ce qui n'est pas profond est léger. En d'autres termes, l'Ivle dit comme ça, on prend la définition, soit parler de superficiel, c'est ce qui est limité à la surface de la peau, à fleur de peau. Il n'y a pas de profondeur. Nous rester
dans fleur de peau à nanti couverture ou bien nous rete bon rivage là à l'instar de Pierre mais nous pas aller plus profond pour nous connaître ça bon Dieu gagner et ça bon Dieu ouais et ça bon Dieu voulait. Et puis ça vient faire en pile fois nous mener une vie chrétienne médiocre. Ouais, nous servir bon Dieu à médiocrement parce que nous pas trop bien imbu de ce qu'il y a de profondeur en ce Dieu. Notre Dieu est un Dieu non seulement de hauteur, c'est le Dieu et non aussi de profondeur. C'est ce la superficialité, c'est ce qui appartient à la partie extérieure et non d'intérieur. La superficialité, c'est ce qui ne va pas au fond des choses, au fond des raisonnements, au fond des pensées, au fond d'une doctrine quelconque. La superficialité, c'est ce qu'on fait à la légère, c'est ce qui est futile, c'est ce qui est inconsistant, comme je viens de vous l'expliquer. Nous qui fluctuons de temps à autre, c'est ce qui est puéril en quelque sorte, badin et vide, creux, parce que le superficiel, il n'y a pas de profondeur. Il n'y a pas de racine profonde. Il n'y a rien qui vous tient ferme et fort et profond. C'est le Dieu qui nous invite à une vie beaucoup plus profonde en invitant Pierre, avance en pleine eau. C'est le fait d'avancer en eau profonde. Laissons le rivage. On a quitté le rivage là. Côté petit pied nous a mouillé seulement. Petits orteils nous seulement qui a touché de l'eau. Mais nous ne pouvons pas avancer plus loin parce que ça. Parce que nous aimons bon rivage. Nous aimons des bagailles qui sont plus faciles. Nous aimons des bagailles qui n'ont pas trop de difficultés. Nous aimons des bagailles qui n'ont pas de challenge. Mais notre Dieu n'est pas ainsi fait. Mais c'est le Dieu qui nous invite à le pénétrer. C'est bon Dieu qui invite nous pour nous pénétrer. Parce qu'il y a des bagailles cachées dans lui. Mais il y a des bagailles qui sont profondes dans lui. Il y a des bagailles qui sont intéressantes dans lui. Que nous avons besoin de connaître, qu'on a besoin de connaître. Est-ce que l'Église comprend là? La superficialité, c'est ce qui est subtil. Susceptible also. Not deep. Ce qui n'est pas pénétrant. Par exemple, un raisonnement qui n'est pas pénétrant. On raisonne, mais il n'y a pas de profondeur dans le raisonnement. On pense, mais la pensée est à fleur de peau. Il saute dans la bouche. Easy going. Mais il n'y avait pas de réflexion profonde. Il n'y avait pas de recherche à l'intérieur d'un cœur profond, à l'intérieur d'un Dieu profond. On répond, on dit ce qu'on veut, quand on veut. Maintenant, des choses légères, mais qu'il n'y a pas de profondeur. Ça donne une vie spirituelle aussi peu profonde. Une connaissance acquise, par exemple, à la volée. À la surface. You just know it, you get it. Mais qui côté le sorti, you don't know. How you get it, you don't know. Est-ce que il y a l'autre bagaille associé là-dedans avec l'eau? You just repeat the knowledge. Connaissance acquise à la volée peu profonde. C'est comme, il n'y a pas d'étude approfondie dans ce qu'on dit, dans ce qu'on connaît. Ou ramasser bon ici, ou ramasser bon l'autre bord, autant de ça, ou prendre, mais ou pas qu'on profondeur, ou pas faire étude bouli, you just pick up and pick up and pick up and pick up here and pick up there, et puis pas de connexion en yo qui a fait profondeur, parce que ou pas chercher profondeur, ou pas chercher pour qu'on ait bon Dieu
dans sa profondeur. Ou pas chercher pour connaître, you know, les paroles de Dieu, you know, dans leur profondeur. You know, you just take it, easy going. And then, just like that, on magasine beaucoup de choses sans profondeur, et puis vous êtes devenu un croyant peu profond. Dans le raisonnement, nous, dans la pensée, nous, dans l'action, nous, dans la supposition, nous, il manque de profondeur. En montant dans la barque de Pierre, le texte a dit, comme je l'avais dit, ce n'est pas sans raison que Dieu a choisi l'une de ces barques. Il y avait plusieurs barques, mais deux plus précisément. L'une de ces barques, il fit choix. Ce n'est pas sans raison. Parce que Dieu voulait avoir une connexion avec le pécheur, qui est Pierre. Bon, je te voulais mener Pierre à expérimenter quelque chose de plus profond. Et pourquoi? C'est pour la raison pour laquelle Dieu nous apprend à comprendre que Dieu cherchait un homme, non seulement pour qu'il connecte avec elle, mais aussi pour qu'il fasse l'expérimenter, sortir dans une vie de superficialité, pour qu'il capable expérimenter une vie de profondeur. Avance en pleine eau. Il cherchait plus précisément un leader. Et bon, bon Dieu qui t'a cherché Pierre seulement. Et bien, bon Dieu qui t'a besoin de faire Pierre tourner simplement un pêcheur d'homme. Mais Dieu voulait un leader. À qui il est capable de dire, bon, je te donnerai les clés du royaume. L'on va ouvrir, pas de monde qui a fermé. L'on va fermer, pas de monde qui a ouvert. Ça dit en bas, le ciel a ouvert. Ça, le ciel dit tout, ou même avec lui, non, de commun accord. Est-ce que l'église est avec moi là? Dieu cherchait un vrai leader. Et pour faire de ce leader un vrai leader, Dieu l'invite, t'as dit ça? À expérimenter une vie de profond. Frères et sœurs, Dieu a besoin des leaders chrétiens qui gagnaient profondeur dans lui. C'est pas n'importe peau patate, n'importe peau banane. Il va besoin ça. Il y a n'importe quoi, mango. Bon Dieu, il a besoin des hommes pour capable continuer l'œuvre du ministère. Jésus cherchait Pierre. Il voulait que Pierre soit un homme de profondeur. Qui pas tout noyer pour n'importe quoi. Un homme qui a profondeur, qui a racine profonde, qui connaît qui s'allier, qui connaît qui s'allever, qui connaît quoi tel camper, qui connaît sa bon Dieu voulait pour lui. Un homme de profondeur. Cela fait appel aussi que quand Dieu vous choisit pour être des leaders, si vous voulez être vraiment de vrais leaders, vous devez toujours chercher la profondeur en Dieu. C'est quelqu'un qui raisonne, qui dépose sa vie sur ce qui est profond. C'est celui qui dépose sa vie sur quelque chose de profond. C'est celui qui base ses raisonnements sur de la profondeur en Dieu. C'est celui qui bouge
Mais en considérant ce qui est en Dieu, ce qui est profond, ce n'est pas quelqu'un que le vent peut pousser à n'importe quel moment. Ce n'est pas quelqu'un, on prend que les vagues de la rivière et de la mer, capable de baloter de gauche à droite, n'importe là le jeune blé. Bon Dieu, besoin des hommes pour jouer cap vinio, pour tant cap vinio. Bon Dieu, besoin des hommes qui comptent côté au campé. Avançons en pleine eau. Une invitation de Dieu à explorer ce qu'il y a de profond en Dieu. La vie en Dieu sans profondeur, comme je viens de vous le dire, est une vie superficielle, easy going, légère. Vous entendez? C'est comme si tu as pour un mango et pour juste manger pour moi. Ou pas manger cher là. Et ensuite, ou pas aller dans ça qui est les bocs là pour garder pour un sac qui j'en j'aime dans yé, étudier j'aime dans etc. Certaines pipo, simplement pour mango a suffi. Mais ou pas nanana. Et on rentre. Et puis ou pas besoin nanana. Et voir pour y aller. Il dit bon, t'es m'gade sac pipo fond dans boc mango a. T'es m'allé, t'es m'étudier. T'aim prend germe nan, t'aim étudier, t'aim garder, t'aim voir comment le fait, pour qui ça le fait fil, pour qui ça le jaune, pour qui ça le vert, pour qui ça le ceci, this is profondeur. Bon Dieu, gen bagay nan li toujours que livre les petites li yo ka konnen, gen bagay bon Dieu vle ko konn de li. Entendez bien, gen bagay bon Dieu vle ko konn de ou. Mais c'est nan li pou joine ni. Des surprises, bon Dieu, qui pour moi avec, c'est leur descendre dans la profondeur. Des bagailles qui cachent dans bon Dieu pour moi avec, c'est leur descendre dans la profondeur. Et chaque fois qu'on a baloté, ou vacillé, ou douté, ou dissolvé, parole ou légère, you know, ou ramassé, bon ici, ou ramassé, bon l'autre bord, mais qui sait que profondeur la donne, ou pas même qu'on est, ou juste ramassé. Parce qu'il n'y a pas une relation avec Dieu. Et non, vivre la vie, non. Puis, malheureusement, l'Église d'aujourd'hui, quand vivre la vie, même genre le monde, non sous chance. Mais ça, bon Dieu a dit là. Ou vivre une vie chrétienne avec un bon Dieu qui est sûr, avec un bon Dieu qui est sérieux, avec un bon Dieu qui est stable, avec un bon Dieu qui n'est pas chancelé, sous chance. Ou quitter ce qui est profond et puis on vivre sous chance. On nager sous chance. Même j'ai le monde. Oubliez que bon Dieu gagne un sous contrôle. Et puis on va écouter, brasse. Et puis on pas qu'à le flouer parce qu'on sous chance. Si vent mène, m'braler. Si vent pas mène tout. Mbabrale, and then you go by luck, but nothing concrete. Rien de concret, rien de profondeur. Voici la vie chrétienne que nous vivons ces derniers temps, et surtout avec un temps difficile. Pas demander bon Dieu, ou pas de gain profondeur, et puis tant vie plus difficile, qu'on y a roulé sous chance. Tandis que, ou dit qu'on bon Dieu nan men, et bon Dieu ça li sûr, et bon Dieu ça li pas changé, et bon Dieu ça li certain, et bon Dieu ça li solide, et bon Dieu ça li fondé. Est-ce que l'église est avec moi là? Et bon, c'est le Dieu, on prend qui est fort et puissant, et puis non, qui elle n'a fait pas. Quand Pierre rentré, là, il fait la pêche, il n'y a pas joué dans rien. Il était frustrant. Il est retourné sans rien. Frustré avec la vie. Frustré de ce que l'apprendre la caille sans rien. Profession
pas porter pour lui ça le désespérer. Dieu cherchait un homme. Il a décidé de monter dans sa barque. Mais avant de dire à Pierre, avançons en pleine eau, il enseignait. L'enseignement de Jésus que moi avais au pape, je me connais. C'était le premier investissement que bon Dieu t'a fait dans Pierre. Avant dit Pierre, avance en pleine eau. Il y a un enseignement de la parole que Pierre tendait. Et pas comme ça que Pierre prend décider pour rentrer, pour le dire, Seigneur, nous, ou dit cause à m'a suivre vous. Depuis matin, m'a travail, toute la nuit, m'a joint rien. Mais il y avait quelque chose. Je suis, est-ce que l'église avec moi là? Gagne un power. Est-ce que l'église comprend moi là? Gon bagaille profond que Seigneur a un enseignement t'a dit qui convainc le cœur de Pierre et qui pourra le permettre Pierre pour le pas dans tête du pour le pas désobéir et puis pour dire oui Seigneur depuis matin m'a travail mais sur ta je jetterai. The Bible doesn't say it. What was the teaching of Jesus? Il enseignait la foule. Pierre était dans la barque. Mais je suppose, le Dieu que je sais, li kon sa le pral faire avec nom ça, li kon caractère nom ça, li kon tempérament nom ça, li kon rébellion nom ça, li connaît ou prendre péché ça. Et puis dans enseignement, la poser base. On n'est pas bon Dieu pousser ou non, et pas bon Dieu forcer ou non, mais c'est bon Dieu reler ou, et bon Dieu qui fait appel à ou. Mais c'est pas l'elle fin investi parole li nan ou qui vous convainc ou pour dire m'a suivre bon Dieu ça. Il y avait quelque chose dans cet enseignement qui a convaincu Pierre. Il dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien rendre. Frustration, échec, you know, tout problème, ou pas réussi, ou perdu, le pensée ou t'as joué ou pas joué. Le pensé bagala ta bon, li pe pil pa bon. Le pensé ou ta privé ou pa privé. Le pensé ou ta make it. You don't make it. Then, quelque part, dans l'enseignement de Jésus, qui veut déposer ce qui est profond. Est-ce que l'église avec moi là? Et puis, Pierre était convaincu pour dire, hein, Combat sérieux dans l'homme ça. Parce que depuis toute la nuit, ma voix est filée. Depuis toute la nuit, mon bras m'a péché. C'est grand professionnel moyen. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. Mais qui j'ai bon Dieu voulu quitter vous pendant toute la vie, regardez mon frère. C'est sur ça. Parole. Est-ce que l'église avec moi là? Et comme ça, pour Dieu fait la vie ou diriger, et pas sous chance, et pas sous chance, soit prend. Et bon, le chrétien pas qu'à vivre sous chance. Et parce que pas qu'il y a hasard dans la vie chrétienne, pas qu'il y a bolette, pas qu'il y a loterie dans la vie chrétienne. N'a pas rien qu'à passer que bon Dieu là pas sous contrôle. Parce que c'est sur ta parole. Je jetterai le. Voici comment que Dieu veut diriger ce peuple pour l'amener à explorer et expérimenter une profondeur. L'église n'a pas de pauvre. La première raison, c'est parce qu'il y a des leaders aussi peu profonds qui pas connaît profondeur, bon Dieu, pour élever le peuple à expérimenter cette profondeur.
We can have money, we can have houses, we can have a lot of things in America. We can have so many things. No, we don't have opportunities. The mayor just talked about opportunities here, opportunities there. Yes, by the way, get them deal. Opportunity, ko gen nan bon Dieu ya, li caché nan profondeur bon Dieu. La vie en Dieu sans profondeur, une vie de superficialité. En tout cas, bon Dieu a dit Pierre, il n'y a pas que la barque, il n'y a pas que les poissons, il n'y a pas que la pêche, il n'y a pas que ça ouais à Géoula, il n'y a pas ce que vous voyez en Amérique, il y a quelque chose de plus profond. Non, bon Dieu, qu'on pas kawel, Dieu pour qu'on kawel, et bien tout Dieu kawel, mais c'est le monde qui a foi dans bon Dieu kawel. La petite Pierre, c'est vrai ou échoué. C'est vrai la vie apparaît finie. C'est vrai la vie à drôle. C'est vrai on prend échec. C'est vrai ou sans sou, on prend ou désaccès. Mais il n'y a pas ça seulement. Il y a l'autre bagaille. Toujours. Mais pour me kawel, il faut me décider pour m'avancer en eau profonde. A deeper life with a deeper God. A deeper life with a deeper God. La profondeur de Dieu, c'est ça qui va le permettre que Pierre va le démontrer. Qu'il veut suivre cette profondeur, c'est à la fin du texte où Pierre, avec tous ses disciples, après avoir, amassé une grande quantité de poissons, pas de jambon pêche pareil comme ça. Jamais de la vie, Pierre n'a jamais expérimenté une pêche comme ça jusqu'à ce que le remplit les deux barques. Et la Bible, à la fin du texte, va nous dire que quand Pierre a reçu la commission, dernier CA, et puis le texte nous dit, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout. Ils laissèrent tout. Et le suivez. Non. Et pas tout le monde qui a fait bagay ça. Non. Et pas tout le monde qui a voulu faire dans les médias. En pile, nan, on a dit Seigneur, tant moins fin vendre. Seigneur, tant moins fin manger. Seigneur, tant moins fin jouir. Et puis leur fin jouit contre eux pour t'oublier ou te font promesse. Ou t'oublier côté du Seigneur ou suivre lui. Ou t'oublier. Pierre pas demandé aucune condition. Pierre pas demandé rien du tout. La Bible dit, Pierre était convaincu qu'il y a quelque chose de plus profond dans cet homme. Il a quitté poisson, il a quitté filet, il a quitté banque, il a quitté l'argent, il a quitté avantage, il a quitté toute bagaille pour suivre mon Dieu. Ce qu'il y a de plus profond en Dieu est beaucoup plus grand et profitable pour ça que je suis même. Yes. La profondeur que Pierre Pral connaît, lui pour qu'on comprenne, lui pour qu'on comprenne plus tard. Mais les joints dans l'homme, ça. Les joints dans Jésus, il te fait connaissance avec lui. Brièvement, dans Jean chapitre 1er, à côté des autres, à côté d'André, à côté de Nathanaël, à côté des autres disciples. Et puis brièvement, il fait connaissance avec lui. And then, ce Jésus maintenant,
C'est Pierre qui était venu à Jésus parce que frère était menant venu. Voici ce Jésus. C'est lui qui va vers Pierre. C'est lui qui cherche un homme. C'est lui qui cherche un leader. C'est lui qui cherche quelqu'un pour pouvoir expérimenter ce qu'il y a de plus profond. Parce que bon Dieu, il y a des choses qui ont besoin de faire un homme ça pour l'église. Alléluia. Frères et sœurs, je vais terminer pour le moment présent. Bon Dieu, vous demandez que moi avec vous, nous capables de sortir de la vie de superficialité. Bagay qui léger. Bagay qui pas gain poids. Bagay qui pas gain valeur pour bon Dieu. Bagay qui pas gain profondeur. Bagay qui pas qui a fini yo. Bagay qui a passé yo. Bagay qui a encore perdu yo. Bon Dieu a demandé yo pour lever yo puis yo pour capable elle et aussi pour décider pour descendre plus profond dans lui dans une relation plus profonde pour qu'a connait une vie plus abondante. L'abondance de la vie éternelle n'était pas structurée dans les barques de poissons de pierre, mais dans les choses éternel, durable, qui va jamais périr, que les hommes pas qu'à toucher, que les yeux pas jamais mouer, que bagaille qui était pour éternel et vital. Aspirons à ce qui est profond et non courir après ce qui est superficiel. Just like that. Pick it up. Pot de fleurs, no easy going, léger, facile, facile, you know, susceptible, inconstant, etc. Tenez bien, c'est les moyens avec une conviction profonde, donc à résister devant tentation, donc à résister devant on prend tumulte, devant tourbillon. Les tourbillons veulent pas d'où aller. On prend les bagues là, veulent chavirer. C'est l'aime de camper profondément dans bon Dieu. Mais qu'à résister jusqu'au bout. Dieu vous appelle. Non pas simplement à une vie chrétienne routine de dimanche matin. Non pas avec une célébration d'anniversaire, you know, du 15 au 22 chaque année. Mais convention a passé. Fête a passé. Célébration a passé. Mais une vie profonde avec bon Dieu, c'est jusque dans les derniers heures. Une vie de profondeur commence par vous donner une vie de paix profonde devant les échecs de la vie. Devant les frustrations, devant les abandons, premier bagaille pour le baou. C'est vrai, m'a quitté de bac poisson. Ça qu'a vint demain, I don't know about it, mais puisque nom qui dit non avançons en plein eau, j'ai la peine en moi, n'importe ça qu'a bougé, m'a bougé. Est-ce que l'église avec moi là? M'pagé tout bagaille nan même. Mais vie profonde là, premier bagaille li ba ou, son vie de paix profonde avec bon Dieu. N'importe ça qu'a privé, la servi mieux bien. Moi pas découragé, moi pas blagué, m'a avancé puis devant. Parce que sac profond, c'est puis devant, c'est pas derrière. C'est comme ce cantique. Quand on chante dans l'école du dimanche, longtemps, sommes-nous tristes? Non, non, non. Comment l'autre acteur dit encore? Non, avant ça. Gon l'autre avant. Sommes-nous tristes? Non, non, non. Sommes-nous tristes? Non, non, non. Les troubles viennent, les troubles vont. Mais en Jésus, nous nous confions. Est-ce que l'église aime? Sommes-nous tristes? Non. Non, non. Sommes-nous découragés? Non, non, non.
les troubles viennent, les troubles vont, les frustrations viennent, les abandons viennent. Mais en Jésus, nous nous confions. N'importe ça qu'a privé, beaucoup gagnent, beaucoup well, mais libre moi là, la paix avec Dieu. Y a vie pour Jésus, bail la paix. Comme y a rivière, difficulté yo, convenu. Mais Jésus là, et ça suffit. Alléluia. Est-ce qu'on a dit ça aujourd'hui à Jésus là, et ça suffit. Dis-moi de bon côté ou là, Jésus là. Et ça suffit. Parce que cette profondeur sera suppléée à vos besoins en temps et au moment opportun. Cette profondeur sera suppléée à ce qui est juste et droit. Avec un bon Dieu fidèle dans ses devoirs, lui réserver nous une source jaillissante qui pas jamais tari. C'est pourquoi nous pouvons chanter ce cantique quand j'ai trouvé la paix profonde. Mettez-nous debout et chantons. J'ai trouvé la paix profonde. Avec bon Dieu, est-ce que y a un monde qui t'a aimé faire expérience ça, qui t'a aimé connaître cette vie profonde, expérimenter une paix profonde? Y a-t-il quelqu'un? Is there anyone who is disturbed? Anyone who doesn't have that peace? Would you come forward? Anyone who doesn't have that deeper life with God? The moment is here. We invite you to come forward. Don't be ashamed. God is waiting for you. God is looking for a man, for a leader, with whom
can give a deeper life. What are you going to do deeper life? What are you going to do deeper life? What are you going to Would you come? Vin devant prier. If you want to come and pray by yourself, you're free. You can vin prier devant pour vous. Vin demander bon Dieu yon vie profonde. Vin demander bon Dieu pour le capable orchestrer la vie. Mande bon Dieu pour le kakore la vie. Mande bon Dieu pour le prendre contrôle la vie. Pour suspendre vivre sous chance. Pour suspendre vivre. On prend comme n'importe quoi. Comme le monde. God is calling you. Vin prier. Sou pas besoin de monde devant pour mettre vin à terre. Vin dit Seigneur, j'ai besoin d'un deeper life. Help me to know. To experience a deeper life. Would you come? Vin prier. Gen moun ki gen bezwen. Met a genou. Chami moz. Met a genou sou step la. Disoble a bon Dieu. Would you come? Would you come? I'm waiting for you. You need a deeper life. Ou bezwen yon vi pi profonde. Come. Di Seigneur, soble nan cœur. Ce n'est que le commencement ici. Une vie obéissante. Une vie soumise. Deuxième. Calvaire, oh, Calvaire, et ta raison.